vous. Donc, pour moi, c'est toujours la même journée. Je continue à déballer et à faire les unboxings de mes toiles Oraloa. Donc, pour moi, on est toujours le 30 septembre. Mais pour vous, on sera bien plus tard parce que je ne vais pas vous mettre les unboxings en même temps. Donc, voilà. Donc là, on va ouvrir la seconde toile Oraloa que j'ai reçue. Allez, on ouvre tout ça. J'ai encore tous mes papiers derrière, ils font du bruit, ils sont en train de se casser la figure. Donc là, la deuxième toile, je vous présente encore avec les nouveaux packaging. Donc voilà, je vous montre de ce côté parce que de l'autre côté, il y a l'image et je ne vais pas vous montrer l'image tout de suite. Donc il y a les explications à et l'arrière de la boîte pour les nouveaux, hein, pour aussi ça peut être pratique. Donc ils nous disent toutes les instructions, localiser le premier symbole du tableau sur lequel vous souhaitez travailler, identifier le sac de diamants correspondant aux beaucoup de couleurs. Voilà, en sachant que oui, je l'ai pas dit sur la première, mais tous les diamants sont en sachet zippé, donc on n'est pas obligé d'avoir du matériel à côté comme des valisettes pour pouvoir faire la toile, étant donné que c'est déjà tout en sachet zip. Moi particulièrement, je travaille avec des valisettes. J'ai une valisette qui va être spécialement dédiée justement aux toiles Oraloa, qui va jusqu'à 60 couleurs. J'ai une deuxième valisette de 60 qui est dédiée pour Diamond Art Club ou autres grandes toiles. Mais plus pour le Diamond Art Club, Ever Moment, Home Fun, en fait, vraiment les toiles de vendeurs que j'apprécie. Et après, j'ai une petite valisette de 30, enfin deux petites valisettes de 30, dont une que je me servirai si mes petites toiles font plus de 30 couleurs. Autrement, j'en ai une spéciale pour mes petites toiles. Donc voilà, puisque à chaque fois, je vais attaquer une Oraloa, une Diamond Art Club, Timmy Art, Home Fun, Ever Moment, enfin une d'entre elles, et à côté une petite toile. Donc voilà, donc un peu pour vous expliquer. Donc moi, j'y mets en valisette, mais après, vous n'êtes pas obligé d'y mettre en valisette pour faire votre DP. Moi, c'est un choix, je préfère avoir les valisettes. En plus, j'ai une valisette dédiée. Et j'ai ma valisette aussi Oraloa, mais celle-ci, je l'utilise que très très rarement. Je l'utilise vraiment si j'ai plus de 60 couleurs, ce qui est très rare. Je crois que j'en ai deux de 65. Donc là, on va voir comment je fais si j'utilise la valisette Oraloa ou si je rajoute juste 5 pots dans ma valisette de 60. Hein, c'est faisable aussi. Et en tout cas, j'en ai deux de Manu et Rachel Store qui là vont jusqu'à 100 couleurs. Donc là, je vais utiliser forcément la valisette d'Oraloa. Donc voilà, mais là, on est là pour parler d'Oraloa. Hein, parce que Oraloa, c'est vraiment un très très bon vendeur. Toutes les toiles, je ne l'ai pas dit non plus dans la précédente vidéo, mais toutes les toiles qu'il propose, c'est des toiles où ils rémunèrent les artistes. Donc ils ont eu le droit à. Au niveau des, ils ont demandé l'autorisation au niveau des artistes pour convertir les illustrations en diamond painting ou point de croix ou autre. Hein. Mais ils ont l'autorisation des artistes et ils les rémunèrent. Donc à chaque fois que vous payez une toile, vous rémunérez en partie les artistes. Donc ce n'est pas des images volées, ce qui permet, enfin voilà, ce qui est logique. Donc c'est des images qui ont une licence avec les artistes. Voilà. Un peu trop les infos. Allez, on sort tout ça. Donc, hein, je pense que ça ira de mieux en mieux avec le temps. Mais là, comme je l'ai dit hier sur la toute première vidéo que j'ai fait, je reprends le DP après un an d'arrêt quasiment. Donc, ça fait un an que je n'ai pas tourné. Donc, je ne suis pas forcément à l'aise. Je bafouille un peu. Il ne faut pas m'en vouloir.
Maintenant, c'est pareil, j'ai perdu un peu l'habitude des unboxings, tout ça. Donc, je fais au mieux. Et avec le temps, je pense que ça reviendra. Là, en plus, je filme des vidéos à la suite. Donc, hier, j'en ai fait une. Aujourd'hui, je suis à la deuxième vidéo pour vous présenter la deuxième toile. J'ai encore deux vidéos à faire pour vous présenter les deux dernières toiles. Et donc, voilà. Donc là, ça sera vraiment les débuts. Je bafouille peut-être un petit peu, mais il ne faut pas m'en vouloir encore une fois. J'espère avec le temps que ça s'améliorera. Hein. Ça s'est amélioré à l'époque. Donc, voilà. Là, je reprends. Donc, on découvre. J'ai encore un peu de mal à me remettre dans le bain. Hein, donc, ça va venir. Allez, les diamants. Ouh, il y a un beau bleu violet là. Oh, oh, oh. Je vais craquer sur celle-ci. Je cherche. Ah, bah là, j'ai le nouveau toolkit. Oh, trop bien. Voilà, je vous disais sur la première. La vidéo précédente que je n'avais pas de... Je n'avais pas le nouveau toolkit. Ben là, je l'ai. Bon, j'ai encore une pince bleue. Ben, je vais faire la collection des pinces bleues, je crois. Parce que c'est la deuxième, là, que j'ai. Donc, j'ai que du bleu pour le moment. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je crois que j'ai deux bleus. Donc, ça... Oui, ça me fait même la troisième bleue. Parce que j'en avais déjà une et une rose pour le moment. Donc, bon, peut-être qu'un jour j'aurai la violette. On croise les doigts. Allez, donc je vous représente hein, à nouveau la fiche avec les instructions en plusieurs langues. Donc, c'est les mêmes instructions hein, que ce qui est sur la boîte, sauf que c'est récapitulé sur une fiche, une feuille. Sur cette feuille, vous avez également, alors là, c'est un code de 10% sur celui-là. Alors, sur l'autre, j'avais 15% et sur celle-ci, c'est 10% de réduction. Donc voilà, avec le nouvel... tous les Tiki, enfin tous les personnages d'Oralois. Donc, vous avez Monsieur Tiki, enfin voilà, vous avez vraiment tout le monde. Donc là, c'est vraiment, vraiment sympa. On les retrouve tous dessus. Donc, là, on a au fil du temps, il y a des personnages qui se sont créés. Moi, au tout début, quand j'ai commandé, il y avait que Monsieur Tiki et il n'y avait personne d'autre. Après, là, j'ai arrêté pendant un an. Et enfin, quand je suis revenue, bah, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup plus de personnages. Et la famille Tiki s'est agrandie. La famille Oralois s'est agrandie. Et ils sont en plus vraiment tout, tout mignons. Donc, j'adore. Hop, je vais faire ça et comme tout à l'heure, vous l'appuyez dans l'autre sens pour vous montrer. Donc, pour ceux qui utilisent les valisettes, vous avez déjà donc tous les numéros de les numéros, les DMC et les symboles en étiquette prédécoupés, ce qui permet que vous n'avez plus ce qui veut dire, excusez-moi, vous n'avez plus qu'à les mettre sur les pots directement. Et vous n'avez même pas à vous embêter à écrire les DMC sur chaque pot. Vous prenez votre étiquette, vous la collez dessus. C'est vraiment super pratique. Je peux vous le montrer sur celle que j'ai en cours. Hop. Voilà, ça c'est ma valisette spéciale Oraloa. Avec plein de petits papillons aussi. Donc voilà, dans les tons violets, des couleurs que j'aime beaucoup. Donc... vous prenez votre petite étiquette et vous la collez directement sur le pot. Donc, c'est vraiment tout simple et c'est bien pratique. Moi, je vous avoue que pour pas garder de dépôt sur le pot, j'utilise un petit scotch. Donc, je mets dessus d'abord un petit scotch qu'on utilise. Alors, attendez, je vous le montre. Qu'on utilise pour les plaintes. Voilà. Donc, celui-là, il se décolle super bien dessus et il ne laisse pas de dépôt. Donc, ça vous évite d'avoir sur vos pots de colle, vos petits pots, de la colle qui reste dessus. Donc, ça, c'est bien pratique. Et moi, après, je colle mes étiquettes dessus et ça va super bien. Là, j'avais fini ma couronne et
J'ai enlevé, ça a enlevé, mais en un clin d'œil. Donc voilà, et après ça évite que ça reste ou qu'on frotte pour enlever. Donc c'est vraiment top. Voilà, petit aparté. On va découvrir le nouveau toolkit puisque je ne l'ai pas encore eu. Donc on découvre ça. Ouh, il y a plein plein de choses. Allez. Je referme les petits stylets. Ah super, c'est ça que je cherchais. Hop, allez, donc le petit stylet comme toujours avec juste l'embout de 1. Là, l'embout, comme je vous ai dit sur la précédente vidéo, je dirais peut-être de 2 ou 3, mais je ne suis pas sûre parce que je n'ai pas l'habitude de les utiliser, donc je ne sais pas. Et je n'ai pas le... Voilà, est-ce qu'il fait le point? Je ne suis pas sûre. Donc voilà, donc la petite mousse à mettre sur le stylet, si j'arrive, parce que... Ah bah ça s'est mis sans problème. Voilà, pour plus de confort quand vous utilisez votre stylet. Vous avez un embout plus grand, donc là je dirais, est-ce qu'il est noté en fait? Je suis bête, peut-être que c'était noté. Non, c'est pas noté. Je sais pas, peut-être 4, 6, je sais pas du tout, je peux pas vous dire. Ma petite pince, donc qui pince vraiment très très bien. Hop, allez, voilà, merci. J'allais dire, oh, tu veux pas me faire le point? Donc là, elle est top. Donc c'est encore une bleue. Hein. J'ai que des bleus. Bon, après, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Hein. Qu'elle soit rose, qu'elle soit bleue ou violette, c'est des couleurs que j'aime. Après, c'est cool d'en avoir une couleur, une autre couleur, mais bon. Voilà. La petite barquette. Donc ça, c'est la même chose qu'il y avait dans le kit précédent. Les pains de cire. Donc dans leur petit pot, comme d'habitude. Hein. Donc les pains de cire, il y en a 3. Donc comme je l'ai dit sur la précédente vidéo, hein, ça suffit amplement pour une toile. Hein. Ouais, il m'en reste à chaque fois et j'aime beaucoup en plus cette cire, donc je la réutilise. Sur la précédente vidéo, j'avais oublié le nom. Donc voilà, le washi tape. Non mais quand je vous dis que ça fait un moment et qu'il faut que ça revienne. Voilà, il faut que ça revienne. Donc voilà, on a un rouleau de washi tape à l'effigie d'Oraloa avec tous les personnages. Donc et le... Donc, avec le nom Oraloa, tous les persos. Et il est assez gros, en plus, hein, de ce que je vois. Donc, voilà. Donc, on a donc ce petit washi tape super sympa. Donc, merci encore Oraloa. Et je vais vous mettre en pause parce que j'ai un appel. Et je vous reprends tout de suite derrière. Désolée, petite coupure téléphonique. J'ai mon conjoint qui vient de m'appeler et il fallait à tout prix que je réponde. Donc, on était en train de présenter le toolkit. Donc là, j'avais le toolkit comme la précédente vidéo. Et en plus, dans le nouveau toolkit, donc déjà, comme je vous l'avais dit la précédente vidéo, je savais que sur le nouveau toolkit, il y avait Monsieur Tiki. Donc, le sachet où est tout rangé, le kit, est à l'effigie d'Oraloa maintenant. Donc, il est bien sympa. On a la petite carte de remerciement. Une petite carte de remerciement avec tous les personnages d'Oraloa. On a des petits stickers. Trop, trop sympathiques. Donc, voilà, je pense que dans quelques temps, ça va être l'achat des carnets pour noter peut-être les projets. Là, pour l'instant, je vais voir. J'ai des carnets à faire, donc peut-être que je ferai ça, ou j'en ai encore, j'en ai de fait, je vais peut-être noter là-dessus, je vais voir. Voilà, et ah oui, alors c'est ça que j'attendais, parce que pour l'instant j'en utilise, j'utilise pour faire mes cases. Un petit sou de verre carré, voilà, et j'attendais la petite plaque. Tout le monde me parle de ces plaques Oraloa avec les personnages, chaque personnage, donc voilà. Donc, j'ai ma première petite plaque
Oraloa avec la tortue. Et elle est plus petite, donc ça me fera des plus petites cases, hein, parce que là, c'est vrai que j'avoue, je faisais des grandes cases. Et j'ai pas forcément le temps de faire des grandes cases tout le temps, donc je préfère faire des plus petites cases. Donc là, c'est nickel. Je vais avoir un peu moins de... Ce sera des cases un peu plus petites. Donc, bah, c'est cool. Ah, je suis trop contente d'avoir le nouveau kit. Donc, bah, les prochaines commandes, je pense que bah, maintenant, j'aurai des nouveaux kits. Là, sur les deux dernières que je vais vous présenter, ça sera des anciens kits, puisque c'est des anciennes boîtes déjà. Donc, ça... Ça sera pas... Je sais que ça sera pas les nouveaux kits. Donc voilà, ça, je vais le garder tout de suite. Parce que je vais m'en servir pour faire mes cases de ma Just Kist que je suis en train de faire. Parce que ce sera plus pratique. Je range tout le reste. Parfait. Donc j'ai rangé le kit. Allez, on va regarder les diamants ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a en diamant? Hop. Les couleurs, eh ben. Pour ceux qui me connaissent et qui ont vu ma précédente vidéo, je les ai un peu dit. Hein. Donc, bon, bah là, on a, à part le saumon orangé, là, beige qu'on a, et ben, on est reparti hein, dans du bleu, du rose, du violet. En veux-tu? En voilà. Et oui, donc bleu, rose, violet sont mes couleurs. Donc, sur celle-ci. On a combien de AB? J'ai vu que je ne les ai pas comptés. Sur la précédente vidéo, j'ai voulu les compter comme ça et j'en avais compté que 4 alors qu'il y en avait 6. Bah là, je peux les voir ici. Je suis bête. J'en ai. Là, cette fois-ci, j'en ai 4. Ouh, bah celle-là, il y en a pas mal en plus. Allez. J'ai un violet. Ah, attendez, je vais peut-être éteindre voir. Est-ce que vous voyez? Oula, c'est pire encore. Je vais peut-être changer. Ouh, je suis pas sûre. Si, peut-être. Voilà, là, vous voyez peut-être un peu plus le violet ou pas. Je change, je rechange. Voilà. Donc là, j'ai le violet. Il y en a quand même pas mal. Bah, sur la précédente vidéo, je n'ai pas regardé où il se trouve. On va regarder où il se trouve cela. On va... Maintenant que j'y pense. Vous voyez, avec le temps, je me rappelle de certaines choses que je faisais avant et que je n'ai pas fait là. Donc là, c'est un peu un violet marron. Un peu... Ouais, c'est un violet aussi. J'aurais dit marron au départ, mais non, non, c'est bien un violet. Il est très très joli. C'est sympa aussi, ça change. Alors là, il n'y en a pas beaucoup, donc ça sera vraiment une petite touche. C'est comme le blanc, ça sera vraiment très peu. Parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. En tout cas, celui-là, en veux-tu, en voilà. Là, il y a un gros, gros sachet. Donc, celui-là, je pense que... On va voir où il se trouve, mais il va en avoir pas mal. Donc, j'espère que juste que ça sera bien étalé un peu partout à des endroits stratégiques. Et voilà. Allez. On va décaler ça et on va ouvrir la toile. Elle est trop trop belle. Alors celle-ci, c'est une 50 par 50 et elle s'appelle Silence de Laure Philippon. Elle est juste magnifique. Regardez-moi ça. Oh là là, elle est trop belle. Et en fait, c'est pour ça que je n'ai pas choisi, je vous avoue, la Fée des Forêts, repris la Fée des Forêts en version 2. En fait, j'avais craqué sur celle-ci. Je la trouvais trop belle. Celle-ci et la fée que je vous ai présentée précédemment. Ouais, voilà. Enfin, elles sont juste magnifiques. Donc, voilà. Celle-ci, en tout cas, celle-ci, j'ai vraiment craqué dessus. C'est la première sur laquelle j'ai craqué. Et je me suis dit, celle-ci, il faut que je la prenne. Elle n'est pas très grande en plus, donc c'est plutôt sympa.
Elle est magnifique, 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 magnifique. Waouh. Donc, comme pour les presses, comme pour toutes les toiles, donc vous avez le nombre de couleurs, donc la 50, sur le côté gauche et le côté droit. Donc, vous l'avez vraiment des deux côtés. Les symboles et les DNC qui correspondent. Donc, c'est vraiment très explicatif. Il y a vraiment tout. On ne peut pas se tromper. Hein. Franchement, voilà. Au niveau des symboles, ben, je vais essayer de vous montrer tout ça. Si, il veut bien faire le point, mais avec la lumière, c'est peut-être compliqué. Je ne suis pas sûre que vous voyez grand-chose. Si, voilà. Donc, voilà. On a des symboles qui sont très, très, très bien imprimés, très voyants. Un super beau portrait. Voilà, juste trop beau. Ça colle bien, très, très bien même. Hop. On a toujours ce film plastique qui est épais et très solide, donc ça change vraiment des versions 1, hein, je vous le dis, parce que moi sur les versions 1, le film est très, très fin et il se déchire très facilement. Là, vous pouvez y aller avant de le déchirer. Alors maintenant, on va regarder où se trouvent les symboles, les AB. Alors le 50, c'est le H, donc c'est là où il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Où se trouve le H? Et ben, on en trouve un peu de partout dans les cheveux. Donc, on en trouve un peu là. On en trouve là. Même un peu, ouais, même pas mal. Alors là, on a toute une lignée. Là, on en a pas mal ici. On a un petit bloc là. Voilà. Ouais, ben, c'est ça. C'est vraiment dans les cheveux. Dans tous ces cheveux qu'on va retrouver le symbole H. Là, on a un petit bloc aussi. Là aussi. Là. Oui, vraiment, ben, tous les cheveux. Clairement, bah voilà, on les trouve dans les cheveux. Après, on a le symbole arrobase. Donc ça, c'est le blanc. Alors le blanc, on ne va pas en avoir beaucoup. On en a un peu dans les yeux. Bah, je pense que ça va être à peu près tout. On l'a là dans les yeux. Là, là. Et est-ce qu'on en a ailleurs? Je crois pas. Donc vous voyez, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je dois avoir 14. Oh, je dois en avoir 14 à poser comme ça. Et pff, voilà. Il y en a largement, c'est au niveau des diamants. Parce que j'en vois pas ailleurs. Donc, je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Ok. Donc, pour cela, c'est fait. 47. 47, c'est les R. Où est-ce qu'on a des R? Voilà. Ça va être dans le ça va être juste là. Il y a un peu de R par-ci, par-là. Donc, ça doit être pareil de l'autre côté. On en a peut-être un peu ici. Oui, on en a un peu là aussi. Donc, sur le bas. Un peu ici. Et c'est tout. Voilà. Donc, on n'en a pas énormément. Et là, c'est les F. Donc, on en a pareil. On en a là. Ça, je les ai vus. Ah ça, on en avait un peu là aussi de R. Là, on a des F et un peu de R aussi. En fait, ils vont être ensemble, les F et R. Et donc là, un peu là, là. Toute cette partie-là, où en fait, les F et R vont être ensemble. Voilà. Après, c'est tout. Un peu de F ici aussi. Je ne l'avais pas vu. Donc, ouais, bah, écoutez, bah, c'est plutôt sympa. Hein. Je pense qu'elle va être sympathique à faire. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la faire. Donc là, je commence juste ma Just a Kiss. Donc je vais être dessus. Bah, donc il faut que je finisse mes trois toiles en cours. Et après, bah, je vais lancer mes petits trous. Je pense que... Parce que bah, j'en ai tellement de toiles, que ce soit Auraloa ou Diamond Archive. Et je les aime toutes. Hein. Si je les ai, c'est que je les aime. Surtout bah, quand on va chez Diamond Archive ou Auraloa. On sait pour que le prix vaut la toile, vaut la qualité, vaut le fait qu'ils rémunèrent les artistes. Donc, on y va parce qu'on aime ce qu'ils font. Après, vu le prix de la toile, c'est sûr qu'on ne va pas prendre des toiles qu'on ne va pas faire. Donc, on choisit des toiles qui nous plaisent et qu'on a envie de faire, hein, clairement. Donc, oui, j'ai tout envie de les faire. Hein, donc, forcément, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une roue. Comme ça, elles vont... tourner. Donc voilà, donc la vidéo est terminée. Je vous souhaite
une bonne journée ou une bonne soirée suivant quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très vite. Bye!